Bonjour. Nous allons faire ce qu'on appelle la conférence des invités d'honneur. Vous savez qu'au SOVD, il y a deux invités d'honneur. Un invité qui est un auteur ou une autrice, on va dire, de bande dessinée. Avec Loustal, on va en parler un peu. Il ne sera pas question que de bande dessinée, mais bon. Et puis, un auteur ou une autrice d'ouvrage ou d'essai sur la bande dessinée. Ces deux personnes sont censées avoir un lien, avoir des liens entre eux. Mais là, nous trouvons une situation qui est très intéressante, c'est que je crois avoir compris que Erwin de Jasse et Loustal ne s'étaient pas rencontrés avant aujourd'hui. À Harlem en Hollande, on a pris le petit déjeuner avec Ever Melon. Voilà. Mais bon, c'était. C'était il y a. Plus invité. Je ne sais pas si c'était encore lui. Je ne sais pas non plus. Harlem chez Just Swart. Oui. Ah. Organisé par Augenblick, par Hans Justra. Eh bien, on va essayer de faire aussi bien aujourd'hui entre vous. Donc, je vais vous présenter très rapidement, mais ai-je besoin de présenter Loustal ? Je pense que vous connaissez tous Loustal et que les images que nous allons montrer rafraîchiront la mémoire de ceux qui ne les auront pas en tête. Et je voulais dire aussi, Loustal aussi a déjà parlé de son travail plusieurs fois au SOVD, mais je crois que Erwin, c'est la première fois que tu interviens ici. Et donc, il faut que dire que tu es du côté donc, des chercheurs, c'est le mot qui te convient le mieux. Tu es un chercheur. On peut dire ça, ouais. Tu es liégeois. Ouais. Ce dont on va se rendre compte quand on entendra mieux ta voix, mon peut-être. Mon accent pourri, ouais. Oh, il n'est pas pourri, moi j'aime beaucoup. Et tu es parti d'histoire de l'art à l'université de Liège. Et ça, c'est intéressant. Parce que. Histoire de l'art, c'est quand même un. Mais tu te considères comme un historien d'art ou Oui. Ben donc c'est très bien. Parce que j'ai pris rapidement la fiche Wikipédia et je suis bien placé pour savoir en regardant qu'il y a des fois des erreurs absolument. Oui, il y a plein d'approximations. Colossales. Et donc là, on a la possibilité de rectifier les erreurs en direct. Donc on va essayer d'en profiter. La première fois que j'ai entendu parler de toi, c'est sans doute très en retard, c'est quand tu as publié un livre. Sur Maurice Franquin, Peyo et le dessin animé. Je ne sais pas si c'est une de tes premières publications, mais c'est une de celles qui a été remarquée. C'est mon premier bouquin, en tout cas. Donc, tu es parti au départ d'une bande dessinée assez classique, c'est-à-dire la bande dessinée franco-belge qui a démarré dans l'après-guerre et le dessin animé, et pour après avoir travaillé beaucoup sur les relations entre l'art brut et la bande dessinée, et notamment avec le travail qui a été fait avec le Frémok et avec Not a outsider. Not outsider, oui. Et puis, comment ça s'appelle, l'AS. C'est ça. Et puis, il y a eu l'exposition à Lausanne, Art Brut et Bande Dessinée. Alors ça, c'est la dernière chose. Une exposition Art Brut et Bande Dessinée, c'est Atrabile, je crois, qui a publié un livre que je vous recommande, si vous ne le connaissez pas. Et c'est un travail vraiment, moi j'ai trouvé très remarquable, parce que justement, c'est un des moyens d'approche de la bande dessinée, d'une certaine bande dessinée, de relier ça à l'idée d'art brut. Oui, même si c'était peut-être l'inverse en fait. En fait, c'est plutôt les bandes dessinées qui ont été faites par des praticiens d'art brut, qui ne s'imaginaient pas être forcément auteurs de bande dessinée. Oui, tout à fait. Et pour votre info, cette expo va être remontée à Gand au Muséum Docteur Guilin à partir de mars de l'année prochaine. Donc voilà. Si vous êtes dans le coin. Nous serons forcément dans le coin parce qu'on ne va pas louper ça. Et puis la dernière chose qui vient de sortir et puis est un livre que tu viens de publier, qu'on trouve ici dans ce salon. Voilà. C'est aux presses universitaires de Tours, mais ça ne s'appelle pas comme ça, C'est les presses universitaires François Rabelais. François Rabelais, ouais. Voilà, c'est la collection Iconotexte. Mais c'est bien à Tours. C'est à Tours, oui. Et qui est donc une ville d'accueil des Liégeois, pour parler de Munoz et Sampaio, qui sont donc des auteurs argentins. Ouais. À l'origine, même si, à mon avis, ils n'habitent plus là depuis longtemps. Si, Carlos Sampaio est retourné vivre en Argentine, et Munoz vit à Milan. Après avoir vécu à Paris et en Espagne. Voilà.
je ne sais pas comment on peut vous mettre un petit peu, vous faire parler au départ. Moi, je pensais, alors, parce que justement, il y a cette histoire, l'histoire de l'art, les écoles d'art. Je peux dire simplement, et ça me permettra de poser une première question à Loustal, c'est que je crois que la première fois qu'on s'est croisés, je peux le dire, sans se connaître, et sans se reconnaître, encore moins se reconnaître, ça date d'il y a un certain nombre d'années, puisque nous sommes rentrés le même jour dans une école qui est l'école des Beaux-Arts de Paris, pour faire des études d'architecture. Comme vous le remarquez, Loustal n'est pas devenu architecte, moi non plus, et pourtant il y a beaucoup d'architectes qui sont peut-être dans la salle, mais en tous les cas, il y en a un certain nombre, même dans le comité de... Qui ont dévié. Oui, c'est ça, et donc je te disais que je proposais de nous présenter comme architecte défroqué, mais est-ce que ça te convient? Mais ma question est plus simple, c'est que quand tu es rentré le premier jour pour faire des études d'architecture, est-ce que tu savais déjà que tu n'allais pas devenir architecte et qu'en fait, ce qui t'intéressait, c'était plutôt le dessin et ce qu'on peut faire avec le dessin sous toutes ses formes? Non, pas du tout, parce que en fait, je dessinais beaucoup. J'ai toujours énormément dessiné. J'étais intéressé par l'image, par les livres d'images. Je lisais beaucoup de bandes dessinées. Et j'avais fait des études, enfin des études, non, j'avais passé le bac, un bac scientifique à Louis-le-Grand. C'était totalement inenvisageable de faire des études de dessin dans ma famille. Donc j'ai voulu choisir un... J'ai hésité entre océanographe à un moment et comme mon... Mon père était un ami de Cousteau et il m'a dit bah, « Tu veux être océanographe, tu vas faire 15 ans de naval et après tu seras océanographe comme Cousteau. » Alors j'ai dit « Non, non, peut-être pas. » Et du coup, j'ai choisi un vrai métier quand même, hein, qui était architecte, dans lequel le dessin avait une grande importance. Donc je suis rentré aux Beaux-Arts, mais pas du tout en art, quoi, enfin... mais en architecture. Et j'étais très intéressé. Hein. Moi, encore maintenant, je ne regrette absolument pas ces études. C'est pour ça que je ne suis pas totalement défroqué. Je m'intéresse à l'architecture. Je reconnais tout ce que m'a apporté les 8 années d'archi. Mais il se trouve que j'ai commencé en 73, donc, comme toi. Il y a 50 ans. Oh là. Et alors, bon, bah oui, on était Kemal Akeh, je connaissais personne, tout, et petit à petit, voilà, on fait des... Et en fait, 73, les années 70, quand on dessinait, il y avait quand même des tas de choses excitantes qui se passaient à cette époque-là. Il y avait l'éclosion des fanzines, il y avait Métal Hurlant, il y avait Anti-Rouille, il y avait L'Écho des Savanes, Fuite de la Selle, enfin, tout ça, tout ce qu'il veut. Les premières expos de David Hockney. Oui, mais ça, à l'époque... Si, mais je n'allais pas voir les expos, je crois. Ah. Mais bref, l'intérêt pour moi au Beaux-Arts, c'est que j'ai quand même rencontré des gens qui étaient un peu intéressés par le dessin, quand même, des amis étudiants. Et donc, ça, je me suis un petit peu remis au dessin et j'ai commencé à aller voir des fanzines. J'allais à la convention de la bande dessinée, je regardais un peu tout ce qui se faisait, puis il y avait un fanzine qui s'appelait Cyclone, qui était fait par Tito, qui est, paraît-il, parmi nous, mais je ne sais pas, je n'ai pas encore vu, Tito Delayave. Et du coup, j'ai été les voir, j'étais au lycée de Sèvres, moi j'étais complètement extérieur à leur truc. Mais j'allais jusqu'à Sèvres avec mes dessins, on discutait, et tout. C'était une très bonne ambiance, passionné, et on publiait nos petits dessins, quoi. Il y avait cette revue. Et du coup, je faisais des petites bandes dessinées à l'époque, et on a même fait un album qui s'appelait Loustal et Tito, qui était en tête bêche comme ça, on avait chacun la moitié du livre. Et voilà, et après, c'est un effet de boule de neige qui fait que les études d'architecture à l'époque étaient assez peu demandeuses de travail, à vrai dire. Hein. Franchement, je pense que... Ça a beaucoup changé. Donc, on avait le temps de développer, de s'intéresser. Et d'ailleurs,
C'est là la première fois que j'ai lu des théories sur la bande dessinée. C'était dans la bibliothèque des Beaux-Arts et ça m'avait marqué parce que le prof d'art plastique, il ne nous faisait absolument pas dessiner. Je pense que j'ai dû avoir une séance de modèle en 8 ans. Et sans ça, aucun, c'était que de la réflexion sur le dessin. Mais néanmoins, c'était quand même intéressant parce que de mon côté, je dessinais, donc ça allait. C'était le livre de Fresno-Deruel, « Sémantique de la bande dessinée ». Et du coup, j'avais fait un petit mémoire, une UV, sur une des bandes dessinées de Bill Elder, sur les différents niveaux de lecture. Sur 3 cases, j'avais écrit 25 pages, quand même, sur les signes de la bande dessinée. Enfin bref, ça m'intéressait. Et puis, voilà, donc je dessinais de plus en plus. Des fanzines, je suis passé à des revues un peu plus professionnelles. Tout d'abord Rock et Folk, et puis voilà, après. Le premier livre, c'est à la fin des années 70, début 80, c'est ça ? C'est 80, ouais, c'était le recueil des dessins que je publiais dans Rock et Folk. Et en fait, donc finalement, mes études ont un peu pâti, et j'ai mis beaucoup plus de temps, j'ai mis quand même 8 ans au lieu des 6 années demandées. Et puis à la fin, j'ai... Oui, ce que tu disais, c'est plutôt à la fin où je savais que je ne ferais pas d'architecture, mais pas au début. Mais j'ai quand même terminé pour des histoires de service national. Quand même, à l'époque, il y avait ça. Tu ne t'étais pas fait réformer. Eh non, tout le monde croit que c'était très simple, il suffisait de le demander, ce n'était pas aussi simple. C'était pas simple, enfin. Donc, mais par contre, je pouvais être coopérant. Et donc, j'ai passé le diplôme au dernier moment, juste avant l'âge limite. J'ai pu, comme ça, partir un an et demi faire l'architecte au Maroc, sur la côte atlantique. C'est un très bon souvenir. C'est une chose et quand je suis revenu, par contre, dans l'architecture, il n'y avait rien pour moi, alors que j'avais publié déjà 2 albums de BD, 2 albums de dessin, et que Jean-Paul Mougin, d'à suivre, m'ouvrait ses portes. Voilà. C'est comme ça qu'après... Il y a aussi autre chose dans ces années-là, que c'était qu'on a parlé de... C'est drôle parce que l'Oustal était... L'architecture était en plusieurs... On appelait ça des unités pédagogiques. Moi, j'étais dans l'unité la plus gauchiste, post-68arde, qui soit, toi tu es dans quelque chose de beaucoup plus sérieux au niveau de l'architecture, et moi tu dis que tu n'as pas dessiné une seule fois dans les cours de dessin, moi j'ai fait que ça tout le temps. Ouais. Comme quoi on se trompe souvent quand on pense que les choses les plus gauchistes, c'est les trucs qu'on ne fait que parler. Pas du tout, on dessinait. Mais par contre, ce que faisaient beaucoup à l'époque, c'est de la musique. Ah bon? Parce que mais la musique... fanfare des Beaux-Arts. Non, pas la... tu penses bien que la fanfare des Beaux-Arts... Tu penses bien que la fanfare des Beaux-Arts n'existait plus? Nous, on avait éradiqué le... Si on peut... j'emploie le mot éradiqué, c'est un peu lourd. La fanfare des Beaux-Arts et le bizutage, qui était interdit chez nous. Ah oui, heureusement. Si quelqu'un avait osé faire ça, il aurait été quand même... ça serait très, très mal passé. Mais il y avait d'autres endroits où ça existait encore. Enfin bon. Oui, UP2, ces histoires. Et j'en viens en fait au fait qu'on écoutait beaucoup de musique aussi. Ah ben et ça, c'est une chose importante chez toi. Est-ce que tu dis que tu as démarré avec Rock and Folk et tout ça? Oui, c'est-à-dire que Rock and Folk, c'est la revue que je connaissais le mieux. Et j'avais un ami qui écrivait dedans, qui m'a donc dit quand il fallait y aller, qui m'a présenté à Paringo, à Quéclin et tout. Et puis voilà, ça a accroché. Et puis je me suis mis, il y avait Serge Clair, il y avait Lionel Quéclin qui dessinait dedans. Et puis, bon, oui, la musique, c'était aussi excitant que ce qui se passait dans la bande dessinée. Et moi, je suis persuadé que c'était... Il y avait une correspondance entre le punk et ce qu'on faisait en dessin. Les premiers, les Max ou moi, même... Ça aurait été 10 ans avant, on aurait été présenté nos dessins à Charlier, à Jigé, tout là, il nous aurait dit, mais vous plaisantez, revenez, revenez dans 10 ans. Alors que là, en fait, on avait envie de raconter des histoires d'une autre manière, et finalement, on a appris à dessiner en publiant. Enfin, en ce qui me concerne, puisque je n'ai jamais fait d'école de dessin, j'ai appris sur le tas, moi je suis totalement autodidacte. Oui, mais c'est au point assez rapidement quand même, je trouve.
Ah, ben j'étais passionné, oui, j'étais intéressé. Comment tu entends cette histoire, Erwin, toi qui aussi à cheval entre le travail, entre la bande dessinée en tant que sujet d'étude et aussi la musique et justement ce genre de musique? Ah oui, non, c'est... Non, bah, en plus, je suis en train de travailler sur ces questions-là, justement, sur les rapports avec le punk. Comme ça, j'aimerais bien en faire un bouquin, enfin, voilà. Il y a un éditeur que ça intéresse. Mais, oui, bah, sur la musique en général, ou plutôt sur le punk? Parce que vous êtes là ensemble, tu peux même discuter avec Lou Stade. Oui, on va plutôt se mettre comme ça. Est-ce que c'est important, ce lien Il y avait déjà le côté spontané, c'est-à-dire dans le punk, il y avait le fait que les musiciens, c'était plus les Pink Floyd, quoi. Voilà, ils n'avaient pas besoin de bien jouer pour produire une musique formidable, les Ramones, tout ça. On est arrivé je pense à Olivier Clavel, puis à Charlie Schlingo, Jeannot. Il ne fallait pas savoir dessiner, en tout cas la notion de bien dessiner, qui à mon avis est assez, qui imprègne véritablement la culture de la bande dessinée, pour une fois on pouvait la foutre en l'air, et aussi raconter des conneries, et raconter n'importe comment, enfin raconter mal, mais bien raconter mal, je pense que c'est ça, comme... Ben oui, mais c'est comme ça, c'est comme les Clash ou les Sex Pistols qui ne savent pas jouer, ça n'empêche que là, on les écoute encore 40 ans plus tard. Donc, je pense que c'était cette démarche-là, et parfois aussi s'attacher à des sujets tout à fait triviaux. Moi, je pense que la bande dessinée, elle trouvait quelque chose là, parce que justement, elle était, comment dire... Moi, je pense qu'elle a une force de subversion assez phénoménale parce qu'elle a des dehors innocents comme ça. Elle est encore, je crois que même en 2023, elle est quand même d'une manière ou d'une autre associée à l'enfance, pour le meilleur ou pour le pire. Et je pense que le punk a beaucoup à voir avec l'enfance. Moi, je crois que c'est une pulsion d'enfance, le punk. C'est le fait de jouer au sale gamin, quoi. Moi, j'ai l'impression que le punk, c'est le petit garçon dans le conte d'Andersen qui dit que le roi est nu. Voilà, vous voyez ce conte où il y a un empereur, c'est les habits neufs de l'empereur, voilà. Et à un moment donné, il y a deux charlatans qui viennent lui confectionner un habit, sauf qu'il est tout nu, mais personne n'ose le dire, sauf un petit garçon, on lui dit de se taire, quoi. Parce que lui, il a cette innocence-là, et j'ai l'impression que la bande dessinée, dans le concert des arts, elle est un peu dans un coin, et donc elle a la possibilité peut-être d'aller balancer quelques petites choses que les arts institués peuvent peut-être faire plus difficilement. Oui, je sais pas. C'est souvent les personnes qui créent trouvent leur, ce qu'on appelle le style, leur particularité, en faisant des fautes de copie au départ. Tout part d'une faute de copie. Schlingo, c'était un exemple particulier, c'est en copiant des choses, mais tout le monde, enfin. Et ce n'est pas lié à un apprentissage, parce que toi, tu sors des écoles, justement, tu n'es pas chercheur par hasard. Lou Stade a donc été dans cette école d'architecture, et en même temps, ce que j'aime beaucoup, c'est que tu dises que tu es autodidacte. Et il y a peut-être ça a été un moment où on pouvait être... où il y avait une reconnaissance de ça, qui était une reconnaissance qui n'était pas du côté des honneurs ou de l'argent, hein, au départ, mais qui était plutôt qu'il y avait... pas mal de supports de publication qui ont amené, ce que tu disais, à se trouver tout simplement à force de le faire, ce qu'on appelle l'apprentissage sur le tas. C'est ça, à l'époque, il n'y avait aucune école de bande dessinée, à vrai dire. Donc, Les Bazooka, ils étaient allés au même moment aux Beaux-Arts, mais eux, ils étaient allés dans l'école des Beaux-Arts, où ils devaient détonner autant dans les ateliers de peinture que tu devais le faire en faisant des dessins liés au rock dans une école d'architecture. Oui, mais je ne me rappelle plus ce que je voulais dire, c'est bon, tu parlais. Ça va revenir. Dans le côté autodidacte. Hein. Voilà, en fait, autodidacte. Et là, je viens de lire le livre chez Alain Bollet de Lionel Quéclin qui s'appelle « L'apprentissage perpétuel », où il raconte toute sa vie de dessinateur, mais lui, ça m'a beaucoup intéressé parce que il est passé par le cursus habituel, Penningen, préparation de rentrer aux arts appliqués, tout ça. Et il raconte tout ça. Alors, c'est vrai que moi, ça m'a manqué. J'aurais bien aimé. Il y a des tas de techniques que je ne maîtrise pas, mais que je découvre. Si j'ai envie de les découvrir, je m'y mets doucement. Mais d'un autre côté, j'ai échappé à toutes ces...
à des nuits passées à dessiner des alphabets gothiques, enfin des trucs, mais complètement qui m'auraient rendu fou et qui n'avaient aucun intérêt. Donc finalement, ouais, j'aime bien. Et puis, le côté autodidacte, si on est intéressé par une technique, on touille un peu. Là, je peins beaucoup, je fais beaucoup de peinture à l'huile où j'ai appris, voilà, j'ai pris un tube, un peu d'essence et un pinceau, puis j'ai regardé comment ça se passait. Voilà, je suis arrivé à quelque chose qui correspond à peu près à ce que je voulais faire. Mais quand on parle des glacis, de toute la technique des grands maîtres et tout, je suis beaucoup plus proche et plus influencé par l'art populaire, l'art naïf, par les gens. J'aime bien les gens, c'est un peu comme dans le punk, les gens qui vont au bout de ce qu'ils veulent faire avec les moyens qu'ils ont, qui ne sont pas toujours énormes. Mais pour ça, quand je voyage, je vais aux Caraïbes, tout ça, ou en Afrique, je vais toujours voir les gens qui peinent dans les petites cases et tout. Il y a une chose dont on parlera demain, en fin de journée. Il y a une rencontre qui s'appelle Commentaire de planche, et moi j'ai choisi de ne pas parler d'une planche, justement, dont des peintures de Loustal, qui m'intéresse justement parce que, pour ce que tu viens de dire, c'est-à-dire du fait d'avoir, tout d'un coup, d'avoir désinhibé, en fait, un rapport à la peinture qui ne serait pas passé par les classes traditionnelles, pour s'être rendu compte que dans l'art populaire, il y avait des choses qui étaient finalement assez savantes et qu'on pouvait s'approprier. Et je me demande d'ailleurs quel est finalement maintenant, puisque tu as fait de tout, donc des peintures à l'huile, effectivement, mais aussi beaucoup d'illustrations, des couvertures de livres, et que tu n'es pas la personne qui a fait le plus de planches avec le plus de bulles de l'histoire de la bande dessinée, c'est le moins qu'on puisse dire, même s'il y en a dans ton dernier album. Oui, comme le quoi, dernier, jamais trop tard. C'était une sorte de challenge. Je n'avais jamais fait ça. Et j'ai voulu m'y confronter. Et ça a duré un an. J'avais un an pour faire cet album. Donc, je savais que je n'allais pas partir là-dedans pendant 3 ans ou quoi. Mais c'était un tout nouveau découpage, une nouvelle organisation des cases. Quelque chose de tout nouveau pour moi, que j'ai bien aimé faire. Mais je suis content de ne pas avoir fait ça pendant toute ma vie. J'ai préféré faire ce que j'ai fait, des grandes images, des ambiances, des choses entre la BD et l'illustration, et privilégier le rapport image-texte avec des textes plutôt littéraires, le fait d'avoir recours plus à des écrivains qu'à des purs scénaristes de BD, tout ça. Mais bon, voilà, je l'ai fait. C'est paru. Je ne me suis même pas rendu compte en le lisant que c'était quelque chose de nouveau pour toi. Je m'étais dit, tiens, Loustal fait de la bande dessinée. En fait, on a toujours fait. Oui. Mais c'est pour dire qu'on ne te voit pas forcément sur ce plan-là. Mais ce qu'on proposait avec Paringo au début, cette bande dessinée un peu littéraire quand même, ça rebutait beaucoup de gens. Pour Cœur de Sable et Barney, je sais qu'ils étaient souvent en lice dans des palmarès, je ne sais plus quel festival. Et il y avait toujours quelqu'un pour dire « Oh non, mais en fait, ce n'est pas de la BD. » Puis terminé. Et puis Barney Willem, ce n'est pas du punk non plus. C'est l'idée, c'est Paringo qui t'a imposé cette idée de partir du jazz. Parce que c'était pas forcément... Oui, parce que bah, lui, c'est, en fait, c'est un peu l'époque où il y avait tout le monde, tous les gens de cette génération, comme s'ils devaient payer un tribut à leur jeunesse, à ce qu'ils avaient aimé. Alors, il y avait Bertrand Tavernier qui faisait Around Midnight, avec Clint Eastwood, il faisait Bird. Bon, enfin, toute proportion gardée, il y avait une sorte de revival jazz, parce qu'il y avait des gens qui étaient arrivés à des postes où ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, qui parlaient de ce qu'ils aimaient, ce qu'ils avaient aimé. Et donc, Barney Whelan, moi, je ne connaissais même pas. Mais ce que j'aimais, c'est qu'il avait collaboré à beaucoup de musique de films noirs français des années 50-60, notamment « Ascenseur pour l'échafaud », tout ce genre de films. Et du coup, moi, c'est pour ça. Le jazz, c'était une suite d'images, de climat. Je traduisais toujours comme ça. Le jazz, pour moi, c'est le cinéma. Et puis après, les images. Mais le free jazz, ça,
absolument incapable d'écouter ça. Ah, tu as loupé quelque chose, dommage. Irvine, l'idée qu'il y ait une bande-son liée à la bande dessinée, c'est quelque chose de très intéressant? Oui, bien sûr. Oui, c'est très sonorisé, une bande dessinée. Physiquement, on n'entend rien à part le bruit des pages qui se tournent, mais y a plein de choses qui se passent, enfin, que ce soit chez Loustal, chez Muñoz et Sampaio. Franquin, c'est hyper sonorisé, par exemple, c'est très très inventif, donc on entend des tas de choses. Et puis je me rends compte aussi, à fréquenter des auteurs de bande dessinée, que voilà, on parle souvent plus de musique que de bande dessinée. Je veux dire, c'est quand il y a des soirées à Angoulême passées minuit, en général, on discute plus musique, en fait. J'ai remarqué ça. Je pense que c'est aussi peut-être lié au fait, enfin, c'est un peu une idée simple, mais bon, c'est un art du rythme aussi, c'est un art de la séquence, de voilà, une bande dessinée, c'est... Enfin, il y a des ponctuations comme ça, des sauts d'une image à l'autre, et voilà. Et quand c'est Loustal, c'est plus, il y a plus d'amplitude, quoi. Donc c'est vrai que ça se rapproche plus d'une écriture jazz. Voilà. Oui, parce que le mood de Loustal, c'est finalement un mood qui colle assez bien avec les sujets qu'on t'a amené. Et même quand plus ça va, plus tu es confronté à des choses encore plus anciennes. Tu avais fait des dessins, je crois, pour Macorlan, c'est ça? Oui, Pierre oui. Macorlan, bon Simenon, c'est quand même des périodes, c'est pas les, tu t'es pas mis dans la situation de faire quelque chose qui serait lié avec les musiques que tu écoutes forcément. Oui, c'est vrai, j'ai collaboré à Rock Strip, mais juste en faisant quelques grands dessins de certains de musiciens qui comptaient pour moi. Mais le problème, c'est ça. Il y a aussi l'esthétique du jazz qui est quand même beaucoup plus intéressante que celle du hard rock. Oui, moi je... Donc il y a ça, donc je peux dessiner des jazzmen très élégants avec des lumières nocturnes en écoutant Aerosmith ou je ne sais pas. Parce que ton dessin, tes couleurs, ta mise en page est assez classe. On ne peut pas dire que ce soit très punk. Oui, oui, mais je pense que toute cette musique que j'aime, il y a le côté énergie, quoi, le côté carburant. Hein, j'ai besoin d'écouter ça. D'ailleurs, c'est tout le temps... moi, j'écoute constamment de la musique et le matin, je commence toujours par des musiques assez douces, souvent des chanteuses, genre Obsandova, des genres de chanteuses un peu tristes, mais de la planète rock quand même. Et puis petit à petit, je finis par des choses beaucoup plus énergiques. Je peux finir l'après-midi avec Rammstein. Vous voyez, des choses qui pulsent. c'est ça, il y a ce côté carburant ouais, dans la musique. Ça me fait penser à une anecdote qu'on m'avait racontée de Topor, qui dessinait très précis, un dessin qui avait l'air très très calme avec un disque de rock à fond la caisse derrière. Et peut-être qu'on a besoin de son contraire pour pouvoir avancer aussi. Après tout, on ne parle jamais de la question importante du viatique ou du carburant quand on travaille. Ça t'arrive jamais de travailler en silence? En fait, j'ai un atelier extrêmement silencieux. Du coup, parfois, je me dis, mais c'est formidable à Paris d'avoir un lieu que pareil. Et puis, au bout d'un quart d'heure, c'est très angoissant. Parfois, j'écoute silence quand je dessine à la plume pour écouter les matériaux, vous voyez. Le bruit de la plume sur le papier, ça, c'est joli. Est-ce que ça t'arrive d'arrêter de travailler? On a l'impression que c'est un peu continu, vu le nombre... J'ai regardé quand même, on a mis quelques images, sont liées, il y a un site, qui est loustal.com, où il y a beaucoup de choses... Ouais. Je me suis dit, il faut prendre quelques images là-dedans. Et j'étais presque, pas effrayé, parce que ça n'a rien d'effrayant, mais j'ai été assez étonné du nombre de livres, du nombre d'images. Et en plus, tu travailles aussi dans des domaines dont on ne parle pas, comme la photographie, par exemple. Oui, oui, ou même j'ai fait récemment, j'ai dessiné tous les panneaux qu'on voit sur les autoroutes, là, les grands panneaux ocre. Pour montrer le château d'un tel, vous voyez. J'ai fait 80 panneaux en Savoie.
Donc ça, c'est des expériences graphiques qui se répercutent sur d'autres choses. En ce moment, je réalise que mes peintures ont à voir avec, avec ce travail que j'ai fait pendant plusieurs années. Mais je ne les ai pas mises sur mon site, je crois. Donc, quand on pense à tes peintures, on pense à des choses comme ça qui sont assez... Oui, alors les peintures comme ça, ben, ce que j'aime dans la peinture par rapport au dessin, c'est qu'il y a une épure... Je peindrai jamais, vous voyez, des architectures compliquées. C'est plus, je raisonne par masse, par couleur, et puis une façon de résoudre les formes aussi. Puisque comme Erwin vient des pays du Nord, Liège, nous sommes. Toi, tu es plutôt un peintre qui te dirige du côté de la chaleur, j'ai l'impression. Oui, moi je suis plutôt un méditerranéen, mais comme je suis assez curieux d'autres ambiances, en ce moment je voyage beaucoup plus dans les pays du Nord que je découvre, parce que j'ai beaucoup voyagé en Méditerranée ou alors sur la ceinture tropicale. Bon, et pour moi, quand je vais en Islande ou en Norvège, voilà, là je fais des icebergs, j'aime bien. C'est nouveau. Mais bon, je ne sais pas s'il y en a à Liège encore des pingouins, c'est peut-être un peu, c'est plutôt le réchauffement qui va faire que Liège va devenir méditerranéen. Non, c'est un peu ça, ouais. Il y avait un musée du pingouin dans un bled autour de Liège, un taximan qui collectionnait les pingouins. Ouais. C'est super intéressant. Tu vois ce que c'est, ouais. Voilà, mais c'était un petit peu culte. Je pense que Topor avait bien aimé ça, parce que ça avait été exposé au Cirque d'Hiver, qui était un club à nard que Topor fréquentait beaucoup. Voilà. Est-ce que tu vois dans le travail de Loustal, justement, ce lien qui est avec dans la manière dont il travaille, ce lien avec cet univers donc énergique, très ensoleillé et pas punk, on ne va pas dire ça, mais quand même lié. C'est vrai que tu as associé peut-être pour la vie avec les courants du début de la fin des années 70 et du début des années 80, même si ce n'est plus le cas maintenant. Je pense que les histoires courtes qui sont dans New York, Miami, on sent le lien avec le punk assez fort. Ah ben, il me semble que Bazooka, les planches de blues qu'on voit là, il y a quand même avec Kiki Picasso, Lulu Larson, des gens comme ça, non? Pas graphiquement, mais c'était vraiment... Enfin, un peu dans le dispositif, hein. Quoi. Ouais, peut-être. Ouais. Bah oui, mais là, c'est ce qu'il y a d'amusant dans cette exposition qui est en bas, c'est que c'est Renaud qui j'ai laissé tous mes tiroirs. Et il a pas des deux qui m'ont surpris, mais je trouvais assez amusant parce que ça sort assez rarement de mon atelier. Donc, puis il y avait quelques pièces. Ah oui, ça, c'est des visions que j'ai comme ça, des trucs. Je pensais que c'était du reportage. C'est curieux. T'as un rapport aussi très important. Alors ça, c'est, dans l'art brut, c'est une chose importante. Bon, je ne te vois pas du tout dans l'art brut, hein, je précise. Mais tu as beaucoup d'animaux quand même dans ton, ton oui, univers. Alors j'ai un certain type d'animaux. Ça, c'est... J'ai les poissons, les chiens, les oiseaux, quelques reptiles... ça, c'est souvent dans mes bandes dessinées, je les introduis pour développer une liberté graphique que je ne peux pas me permettre dans le reste de l'histoire. Parce que les personnages doivent correspondre à ce qu'ils sont dans l'histoire. Et du coup, j'aime bien ça, ça aère un peu l'univers de l'histoire. Et du coup, j'en mets beaucoup. Puis en plus, il y a la présence animale qui est assez importante pour moi. C'est dans les dessins, les peintures que tu finis par être ton propre scénariste. Exactement, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'au début, ce que je faisais seul, c'était des débuts d'histoire, des scénettes qui demandaient à être développées, mais j'étais incapable de les développer. Et en fait, il y a eu un truc très important. C'est le jour où j'ai apporté à Paringo une histoire que j'avais écrite moi-même d'après une nouvelle de Boris Vian. Et puis, il aimait beaucoup les dessins. Et puis, il m'a dit, bon, bah ouais, je vais un peu remanier le texte. Rewriting, le tout rédacteur en chef, quoi.
Et il m'a rendu un texte totalement admirable pour moi. Et du coup, depuis ce jour-là, je me suis dit, bon, bah, on va plutôt travailler avec les gens qui savent écrire. Et c'est depuis ce jour-là que j'écris plus du tout. Ou juste des commentaires. Et j'ai toujours, avec Paragon, on a fait quand même beaucoup de choses, et c'est toujours un plaisir de voir, à la fin, de coller sur le texte qu'il a écrit sous mes cases. Et puis après, il y a eu, oui, Coetalem, Charine, des stylistes. Tout d'un coup, je me rappelle que ton livre s'appelle « La musique silencieuse ouais. », donc on peut parler de ça. Qu'est-ce que... Je voudrais demander à Erwin, justement, parce que c'est... Je suppose que Oustal aime aussi beaucoup le travail de Munoz et Sampaio. Ça me paraît impossible de ne pas être... Un choc sur le trait, sur le travail à la plume de Sampaio et du noir et blanc. Alors pourquoi la musique silencieuse ? C'est une expression qu'il utilise quand il parle de Billie Holiday. Voilà, donc si on regarde sur certains forums... Il y a beaucoup de lecteurs qui vont dire en fait c'est mal foutu, ça ne raconte pas bien, on ne comprend pas la fin et ça ne raconte pas la vraie histoire de Billie Holiday et je n'ai pas eu beaucoup d'informations. Évidemment, totalement antithétique avec les ambitions de l'œuvre et il dit qu'il voulait, enfin que son ambition avec Sampaio était de faire de la vie de Billie Holiday une musique silencieuse. Voilà. Et alors, c'est un peu ce que j'explique dans le bouquin, c'est qu'au début, à la première page, ben, on voit Munoz et Sampaio tout jeunes, gominés, qui sont en train de jouer du piano. Donc, on a l'impression comme s'ils annonçaient qu'ils allaient interpréter cette vie. Et voilà, donc c'est un... Ouais, c'est une... Oui, c'est une... C'est une espèce de composition, en fait, partant de la vie de Billie Holiday de manière très, très libre, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas obligés à relater un par un tous les événements et pas nécessairement les plus importants, mais de créer une forme de composition. Et c'est vrai que c'est hyper musical aussi, parce qu'on a des jeux de blanc et de noir, on voit à un moment donné des effets de saturation, la fin quand on voit le personnage qui va... poser des fleurs sur la tombe de Billie, ben là on a des planches plus blanches, donc il y a tout ce jeu, enfin qui est typique de la bande dessinée, mais qu'eux ont vraiment poussé très très loin de jouer sur une énergie, sur des moments de tension, de détente, etc. Et c'est pas uniquement, c'est pas que l'histoire qui raconte, c'est cette succession, parce que parfois ça... Bon, on le voit bien là, quoi. Ça confine parfois à l'abstraction, bah un peu chez Oustal aussi parfois. Et donc on a un jeu comme ça de forme qui a quelque chose d'assez musical en fait. Je pensais parce que Oustal a dit, je crois, enfin on dit que tu t'intéressais pas du tout à l'abstraction, mais moi je pense que ce qu'on vire par la porte revient par la fenêtre. Oui. Et que de la même façon qu'il y a de la figuration chez ceux qui se prétendent absolument abstraits, il y a de l'abstraction chez tous les figuratifs. Mais c'est drôle de voir que le lien qu'il y a entre vous deux, là, qu'on a dessiné peut-être avec la musique, et en partant de Barnet d'un côté, et en prenant Munoz par rapport à Billie Holiday, c'est que finalement, il y a cette idée du mood, du jazz, qui est tout à fait constant, et qui est peut-être même plus important à la limite que le côté punk, parce que finalement, ce sont des travaux qui ont à voir avec la sensation, avec la représentation de l'énergie, et puis par le climat qui dégage. Et l'improvisation aussi. Ce qui fait que des fois, on peut commencer à lire ces bandes dessinées, celle de Oustal, ça c'est très clair, même une autre. Même si ça raconte vraiment quelque chose, on peut commencer à... On ne comprendrait pas la langue qu'on pourrait quand même entrer dedans, non ? C'est pas ça aussi qui est recherché des deux côtés ? Ouais. Oui, enfin, je voulais juste, pour en revenir à Munoz, je me souviens, j'avais une grande discussion avec lui, parce qu'il y a tellement d'aplats de noir, parfois, que... Je lui demandais toujours s'il avait tout dessiné et mis du noir après, ou s'il avait pensé qu'il n'y aurait que du noir et juste dessiné les trucs. Parce que c'est vrai, quand on fait tout son dessin et qu'après on met du noir, on dit « Ah non, quand même !» Donc on a envie de laisser une petite ligne blanche pour figurer quand même les formes dans l'obscurité. Et ça, c'est beaucoup de courage de tout balancer comme ça. Et il y en a beaucoup, oui, Sin City, Frank Miller, très fort là-dedans. En fait, on voit vraiment, voir les originaux de Munoz, c'est super intéressant, parce qu'on, si on regarde bien, on voit les traits de crayon sous le noir, comme ça. Et donc, il recouvre, et presque jusqu'à aller
jusqu'à un moment donné vraiment limite où voilà où on est, enfin on est à un fifrelin de l'abstraction. D'une manière, il y a beaucoup de gens qui disent que pour parler avec Munoz, il faut savoir parler le Munoz. C'est toujours très compliqué. C'est la manière de s'exprimer. Quelqu'un qui cite Lacan dans les conversations ordinaires et qui D'ailleurs, toi, tu as échappé à la psychanalyse parce que dans la génération de Munoz et tout ça, je dis ça exprès avec un peu d'humour. Les Argentins, ils sont tous les taxis argentins. Parce que tu crois que les Mandrika, Gottlieb et toute la génération d'avant ne sont pas passés. Ah ben non, mais moi, j'ai plus l'idée de Lynch qui dit que justement, c'est parce qu'il ne voit pas de psychanalyste qu'il a tout cet imaginaire et cette créativité. Moi, je suis plutôt là-dedans. Mais il y a un aspect fantastique dans ton travail, non ? Je ne sais pas, mais moi, c'est une partie très importante. Hein. Moi, je me nourris de choses très... Beaucoup de cinéma, quand même. Parce que comme tu as fait beaucoup de carnets, bon, ça, je ne vais pas anticiper sur la discussion qui va venir, oui, mais donc, on peut te prendre comme pour un reporter, quelque part, qui dessine. C'est même un genre. Hein, bah, j'ai fait des reportages pour des revues. Mais est-ce que même parmi ces reportages, on pourrait penser... L'image qu'on mettait tout à l'heure avec le crocodile, tout ça, on pourrait imaginer que c'est quelque chose que tu as vu, mais tu mets quand même pas mal de choses qui sont de l'ordre de la vision intérieure avec la vision extérieure. Oui, ça c'est, il y a des moments où ça vient et on a des feuilles et puis on dessine ce qu'on a un peu en tête. Et j'ai fait un livre comme ça qui s'appelle « Ce qu'il attendait d'elle » où ce sont des dessins mentaux comme ça. Mental, je sais pas. Des images que j'ai en tête et que je dessine sans aucun repentir et sans esquisse préalable. Et donc, c'est des dessins très particuliers, un peu plein d'erreurs, mais frais. Les bonnes erreurs, donc. Oui. Il y a du repentir dans ton travail, beaucoup ? Non, bah, y a une crayonnée assez poussée, et puis après. J'ancre à la table lumineuse sur ma crayonnée. Il y a certains dessinateurs qui, eux, ancrent leur crayonnée directement et passent pratiquement une journée entière à gommer. Ça me paraît... Mais ça fait partie des processus de création, j'imagine. Mais ça me paraît complètement dément. Parce que moi, ce que j'aime, en plus, c'est comme les dessins dont je parlais tout à l'heure, c'est le trait noir d'encre, très définitif sur une surface vierge. Ça c'est très beau. Les originaux sont très propres. Bah forcément, parce qu'il n'y a pas de... Il y a une crayonnée, table lumineuse, et puis après, c'est... Parce qu'en peinture, quand on fait une peinture, normalement, même à l'huile, et peut-être surtout à l'huile, on ne voit pas les repentir. En bande dessinée, on a l'impression que les expos de planches... Oui, mais c'est une manière de montrer les repentirs qui oui, sont mais cachés. À partir du moment où tu fais de la couleur directe, c'est très difficile les repentirs. Il faut carrément tout refaire. Repentir à l'aquarelle, c'est. Tu fais toutes tes couleurs, impossible. Toujours. Ah ben oui. Oui, non, mais je le sais, mais c'est. Quelqu'un. Non, mais ce que je veux dire. Non, mais le dernier album est fait avec Photoshop pour des questions de temps. Et puis, en plus, je pense que. Avec toutes ces bulles qu'il y avait, ça aurait été très, très fastidieux de préparer les images, de mettre le cache, tout ça pour juste des gens qui se parlent. Voilà. Tu te rends compte que tu as attendu tant d'années pour faire un album colorié plutôt qu'en couleur directe, avec en plus des bulles et une narration complètement linéaire en plus. Oui, Fromental m'avait dit que j'étais bon pour reprendre Bibi Fricotte. Hein. Pas Gaston Lagaffe. Je ne sais pas, encore un petit peu de temps. Est-ce que tu as une question à poser ? Est-ce que vous avez des questions à vous poser l'un l'autre ? Sûrement, sauf que j'y ai pas pensé. Non, ça m'intéresse la manière dont vous travaillez avec Paringo. Enfin, quelles sont les aspirations de chacun des deux parce que ça me fait penser aussi à... Qui viennent de lui, d'autres de moi. Ouais. Ça vient souvent de lui, et comme c'est pas du tout un scénariste de bande dessinée, il met très souvent, mis à part Barnet qui m'a proposé, Cœur de sable, moi je rentrais du Maroc et je lui demande une histoire qui se passe au Maroc.
Le reste, c'est très souvent des projets qui étaient destinés à autre chose. Mmh. C'est-à-dire que le sang des voyous, qui est la dernière histoire qu'on ait faite, que j'aime beaucoup, c'était un roman inachevé qui m'avait donné. Puis bon, je trouvais qu'il y avait vraiment matière. Kid Congo, c'était un scénario de film pour Emmanuel Béard, mais il ne s'est jamais fait. Hein. Un garçon romantique, c'était une vague idée qu'il avait pour un autre dessinateur, mais qui n'a jamais dessiné, en fait. Donc c'est toujours des idées tout recyclées, quoi. Ouais, c'est ça. Je vais chercher dans ces tiroirs s'il n'y a pas des trucs qui traînent. Là, j'en ai encore pas mal. Mais il y a des choses dans lesquelles j'ai moins envie de me plonger. Il y a des choses d'une telle noirceur que j'ai pas envie de vivre un an ou deux avec des personnages. Par exemple, le sang des voyous, le personnage est un tueur, c'est très dur, très violent. Mais j'ai trouvé une certaine dignité et ça me plaisait de le mettre en scène et de l'accompagner. Dans le cas de l'Ostrogo, là, une grande partie du plaisir, ça a été de mettre en scène ce couple. Je trouvais c'était sympathique, je trouve. Ça a permis d'ailleurs de mettre des peintures, toi qui fais de la peinture et qui regrettais de ne pas pouvoir faire de peinture à cause de la durée de faire ça, de faire des peintures avec Photoshop. C'est quand même assez paradoxal. Oui, oui. Mais alors, dans le cas des peintures, là, Tigy, Simenon, il y a très peu de peintures d'elle qui restent. Elle était complètement... Alors là, pour le coup, non, mais il y a eu un moment où elle avait une bonne production, elle était plus connue que lui et tout. Et alors, il y a peu... Donc, tout ce que je connaissais, je l'ai reproduit, mais le reste, je me suis plutôt inspiré de l'école de Paris de cette époque-là, qui se lit des Pasquines aussi, des gens comme ça. De Montmartre. De Montparnasse, pardon. Montparnasse, ouais, ouais. Oui. J'étais étonné de la représentation de Liège, parce que j'ai l'impression que. Comme si c'était un des Quiricots, quoi. Comme ça. C'est quoi ouais. J'ai l'impression que Liège, c'était comme une peinture de des Quiricots, quoi. Ce qui est vraiment totalement l'inverse, surtout maintenant. Pas de problème, on peut réinventer tout ce qu'on veut, il n'y a pas de souci. Il y avait quelque chose d'italien. Oui, bien sûr, je vois très bien. Ouais. C'est Philippe m'a fourni de la documentation d'époque. Attention à ce que les Liégeois défendent leur ville. D'ailleurs, c'est une ville assez incroyable. Ouais, bah... Ah, dis ça parce que moi j'y vais de temps en temps et je suis toujours surpris mais de voir je suis toujours surpris que les gens trouvent ça super. Mais je pense qu'on peut avoir qu'un rapport d'amour-haine. C'est comme quelqu'un vers qui on revient tout le temps. Et puis c'est une vallée, donc on essaie de monter et puis on retombe. Quoi. Mais il faut en sortir aussi, sinon c'est pas possible. Enfin bon, Simenon, il n'y est pas resté toute sa vie, apparemment. Il va rester très longtemps. Oui. C'est peut-être pour ça qu'ils l'ont encensé, d'ailleurs, parce qu'il est parti. J'ai l'impression. D'ailleurs, le Simenon, qui est co-auteur, qui est, à mon avis, c'est la personne qui contrôle un petit peu ce qu'on raconte. C'est John, c'est donc le Simenon américain. Oui, mais c'est lui qui maintenant a pris en charge tous les droits, les adaptations. C'est lui qui a eu l'idée de ce livre. Et c'est vrai que... C'est une série de 12 albums, je crois. Non, moi, non. Mais par contre, il y a une série de romans durs adaptés en bande dessinée par Bocquet ou Fromental. Il va y avoir La neige était sale par... Isler, il y a eu Le passage du polar Lys par Caillot. Il y en a plusieurs autres en cours. Mais bon, moi, je ne sais pas si j'ai envie d'aller là-dedans parce que c'est des véritables adaptations. Alors que moi, ce que j'aime, c'est mettre le texte original. Je ne me vois pas réécrivant. Enfin, on pourrait tout à fait imaginer le faire, non? C'est pas si simple. Il faut balancer le texte, mais le recréer, quoi. Non, justement, moi, je veux garder les mots précis. Utiliser Simenon. Et quand j'illustre Simenon, j'en avais beaucoup, je mets toujours sous le dessin la phrase qui m'a inspiré le dessin. Et c'est des phrases sublimes, enfin à mes yeux, qui me parlent, quoi. Et là, j'aurais du mal à juste garder l'histoire. L'histoire, souvent. Mais on pourrait pas faire comme avec Fromental et aller chercher les bons fragments à un moment donné, je sais pas. Ben oui.
C'est ce que je pensais faire, mais le problème, c'est qu'il y a aussi, chez Simenon des chapitres entiers où il y a deux personnes dans un salon qui se parlent avec des tas de petites... des dialogues très très courts, ça c'est difficile. Oui, c'est ce qu'il y a, de plus laborieux en bande dessinée, ouais. C'est le long dialogue. C'est... Ouais. J'aime bien l'expression de roman dur. Ah bah alors les romans durs, on croyait que c'était les romans psychologiques durs. Mais en fait, pour lui, c'était les romans durs à écrire. C'est tout. Oui, parce que y a par rapport au Maigret. Et Maigret, c'était une récréation. Au début, dans sa jeunesse, il faisait combien, 30 livres par an? Oui, bah, il faisait des petits livrets, des petits contes. Oui, c'était une semaine à 15 jours pour un Maigret. Mais bon, j'avais quand même lu aussi que c'était psychologiquement et physiquement... Enfin, il était éreinté à la fin. Oui, il perdait plusieurs kilos, il mangeait plus, il était insupportable dans sa famille, mais c'était une courte durée, quoi. Puis après, il avait le moment de décompensation qui suivait, quoi. Donc, c'était de l'énergie libidinale. Voilà, c'est ça. Mais c'était une énergie... John Simenon est un peu... il surveillait un peu le texte, quoi. Il surveillait. Moi, j'ai bien vu qu'il y avait une surveillance, oui. Oui, bah oui. Oui, c'est ça, non, mais Fromental lui proposait le texte pour voir s'il n'y avait pas des contresens ou des trucs un peu. Bon, c'est vrai que le personnage était un peu édulcoré, du coup. Bon. Mais par contre, je lui ai demandé, par contrat, il était hors de question qu'il intervienne sur les dessins. Qu'il vienne et il dit ah ben non, là, il ne ressemble pas, ça ne va pas. C'était pas possible. Merci, je pense qu'on a atteint donc la durée. Vous avez aimé l'adaptation? Ça, c'est pas une adaptation. Il est crédité, il a écrit. Il adore. Enfin, il adore. Quand je lui ai envoyé la dernière planche, il m'a dit qu'il en avait pleuré. Non, il est très heureux de ça. C'est très touchant. Tu cherches à faire pleurer, toi, dans ton livre. Histoire d'avoir un mot de la fin un peu plus... Non. Merci. Merci à vous. Voilà. Merci.